Coach personnel, il a travaillé comme consultant auprès du système des Nations Unies, en particulier sur des thématiques comme le sida. Il est aussi l'animateur vedette de l'émission On t'écoute sur Hit Radio. Voilà, donc j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir. Je vous remercie beaucoup. Il va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes et puis ensuite, place aux questions en essayant de ne pas abuser de son temps. Merci à tous. Merci, madame. Quand je parle de sexe, je parle d'abord du sexe biologique. On est né soit homme, soit femme, soit les deux, c'est vrai, soit hermaphrodite. Ça existe. Peut-être qu'il n'y a pas d'hermaphrodite entre nous, on ne sait pas, mais on est né avec un sexe qu'on appelle un sexe biologique. Le sexe biologique est un sexe que nous ne contrôlons pas, parce que nous sommes nés soit homme, soit femme, soit hermaphrodite. Après, au fil du temps, on développe ce qu'on appelle le réflexe ou les différents réflexes sexuels. Ces différents réflexes sexuels sont en relation avec le premier réflexe qu'on développe en premier, c'est le réflexe oral. Il s'éclate, monsieur, avec les écouteurs derrière. Ça vous éclate, le sexe oral? Non? Alors, quand je parle du premier réflexe sexuel qui est le réflexe oral, c'est-à-dire que quand un bébé prend le sein de sa maman, il commence à développer le premier instinct sexuel qui est le sexe oral. Après, il y a le deuxième réflexe qu'on développe dans la sexualité, c'est le réflexe anal. C'est quand un bébé, par exemple, qui a besoin de faire ses besoins, il commence à crier. Parfois, on se dit peut-être qu'il a des coliques, peut-être qu'il est en train de pleurer ou de dire quelque chose parce qu'il veut présenter quelque chose. Mais en principe, c'est un plaisir qu'un enfant éprouve quand il est en train de faire sa selle, parce qu'il est en train de développer le deuxième réflexe sexuel, qui est le réflexe anal. Après, on rentre dans les deux autres réflexes, à savoir le réflexe phallique, et après, on rentre dans la période d'adolescence. Pourquoi je fais cette citation parce que quand on dit éducation à la santé sexuelle, on dit une éducation pour avoir une bonne santé sexuelle et non pas pour avoir une bonne connaissance en sexe en tant qu'acte sexuel. Le sexe en tant qu'acte sexuel est un volet, normalement, après avoir connu son corps, essentiellement. L'éducation de la santé sexuelle commence par la connaissance du corps sexuel, c'est-à-dire connaître nos organes génitaux. Il y a pas mal de femmes qui disent « grané d'arrenni ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre « grané » Ou la tchèque, non, tu que le welda. Pour l'unique et simple raison, parce que selon nous, enfin selon notre connaissance, le grand nom imaginable, le welda est là. Pourquoi? Par négligence justement du corps sexuel. Comme pour la femme, quand elle veut avoir sa première relation sexuelle, elle se dit c'est quoi ce corps étranger qui va venir pour pouvoir toucher mon corps qui n'est pas étranger? Est-ce que c'est une vipère? Est-ce que c'est un doigt? Est-ce que c'est une cobra? Quoi? Tout ça vient d'une négligence, justement, du corps sexuel, parce que dans le programme, notamment le programme éducatif, nous avons une connaissance, ou plutôt nous avons des cours sur tout ce qui est en relation avec les appareils génitaux. Mais on ne parle pas de l'appareil sexuel. Il y a une très grande différence entre la procréation et la sexualité. Parce que quand on se marie, notre premier objectif, c'est quoi selon vous?
avoir des enfants. Mais on ne se dit pas qu'on se marie pour avoir un épanouissement d'abord de point de vue personnel, c'est-à-dire sexuel, et avoir par la suite des enfants. La preuve, c'est que des gens, les Mekéouldouch, ils ont aussi le droit de se marier. Parce qu'ils ne vont pas se marier pour avoir des enfants, mais ils vont se marier pour pouvoir partager leur vie et puis pour partager leurs plaisirs et leurs désirs sexuels. C'est là où vient la nécessité d'avoir une éducation à la santé sexuelle pour pouvoir justement avoir les différents volets de cette éducation. On a parlé tout à l'heure, plutôt un jeune homme qui a parlé de maladies sexuellement transmissibles ou plutôt infections sexuellement transmissibles. Qui c'est qui peut m'en citer ? Syphilis. Syphilis. Je ne sais pas. Très bien. Une infection sexuellement transmissible, d'accord. شو كسميه بالعربية المغربية؟ شكراً الكاميرامان. شو اسميها؟ سيفيليس. نوار. علاش كنسميوها النوار؟ باسكو كيبانو بلينا طبايع دايرين بحال النوار بحال الورد سورتو ريالات من هنا حتى لتحت. سي بور سا كون لابيل النوار. Est-ce qu'il y a d'autres maladies que vous connaissez sexuellement transmissibles ? Hépatite quoi ? Z. Apostrophe. Hein ? Alors, qui c'est qui a dit B et qui c'est qui a dit C ? C et B. Ça sent ? Ou peut-être l'hépatite S en relation avec le sexe ? Non ? L'hépatite B, c'est vrai que c'est une infection qui est sexuellement transmissible et non pas l'hépatite C, parce que l'hépatite B se transmet plus par la salive que par le sang. Alors que l'hépatite C est une maladie ou plutôt une infection qui est en relation avec la transfusion sanguine et plutôt c'est une infection qui est transmise par le sang et non pas notamment par les relations sexuelles non protégées avec une personne qui est atteinte. Ce que je voulais vous dire justement avant de passer à vos questions, c'est que quand on parle de sexe, on parle toujours de tabou. Et quand on parle de tabou, on parle toujours de choses qu'on cache, qu'on néglige et qu'on n'a pas le courage parfois de pouvoir divulguer devant tout le monde. Regardez ce qu'a fait un préservatif dans une salle. Quand on a parlé de l'éducation à la santé sexuelle, tout le monde a commencé à se dire « Ouais, sexe... ouais... Chouma, il y a des trucs... en binôme, yakma, etc. etc. » Oui, vous pouvez ne pas dire ça en plein public. Mais demandez l'information concernant tout ce qui est éducation à la santé sexuelle et notamment par rapport à votre sexualité. Parce que quand je néglige ma sexualité, et ça je vous parle par connaissance de cause, d'après tous les appels que je reçois le soir dans t'écoute. Quand une fille t'appelle pour te dire que je suis vierge et que j'ai des relations sexuelles, ça veut dire qu'il y a une méconnaissance quand même assez importante. Quand quelqu'un te dit « Ouais, je fais une pénétration, mais je n'arrive pas... » Enfin, je n'éjacule pas à l'intérieur de l'organe génital de la femme. Donc, c'est pas grave, je ne peux pas avoir des enfants et je ne peux pas avoir des infections sexuellement transmissibles. Tout ça passe par une méconnaissance et justement par... Attention, c'est un tabou, je ne peux pas en parler. On est fin fond des choses. Et ça, c'est notre religion, de toute façon, qui nous les incite. Et si on dit que cela veut dire que pour pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Surtout en ce qui concerne la sexualité, surtout en ce qui concerne notre sexualité. Youssala tout à l'heure a dit un élément très important. Moi, je suis une fille, je ne suis pas intéressée par l'usage de préservatifs. C'est une phrase très intéressante, tu sais quoi, que ça te fait rire. Parce que quand je suis une fille, et quand un mec est en train, ou je suis avec un mec qui ne veut pas utiliser le préservatif, j'ai le pouvoir de négociation pour pouvoir utiliser un préservatif, parce que c'est ma santé qui prime. Et c'est ma sexualité aussi qui est mise en jeu quand je suis avec une personne en pleine relation sexuelle. Donc la connaissance de tout cela passe par une bonne éducation à la santé sexuelle, que vivement soit
un modèle ou plutôt une matière que nous pourrions avoir même dans notre cursus académique. Sans pour autant tarder, je vais laisser la parole à l'audience pour vous poser les questions que vous voulez concernant la sexualité, le sexe en principe ou les infections sexuellement transmissibles. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Je vous en remercie. En fait, ma question, c'est la relation sexuelle, c'est quelque chose de naturel. Mais la religion et surtout la société l'a un peu compliqué. Du coup, pour attendre le mariage, c'est l'âge moyen, c'est 31 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes. Est-ce que le fait de s'abstenir jusqu'à cet âge peut avoir des méfaits sur le corps humain ou bien sur la psychologie de la personne? Merci. Deux autres questions, puis ensuite je laisse la réponse à Dr. Arab. Quelle était la... Bonsoir. En fait, je voulais juste vous demander, c'est à quel âge qu'on peut parler d'éducation sexuelle, c'est-à-dire avec nos enfants, à quel âge peut commencer cette éducation, s'il faut en avoir, bien sûr. Merci. Une troisième question, à droite. Bonjour, alors parfois on rencontre des femmes qui ont une allergie contre les latex. Du coup, tu peux vraiment pas utiliser de préservatif. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour éviter? D'abord, je me permets quand même de répondre à la première question au jeune homme derrière qui me posait la question sur l'intérêt de l'abstinence. Est-ce que quand on est abstinent par rapport à la pratique ou plutôt à l'extériorisation de notre désir sexuel va avoir des répercussions sur nous. D'abord, haram ou pas haram, je suis très mal placé pour te répondre parce que je ne fais pas de la législation et de la charia, donc je ne peux pas te répondre dans ce sens. Mais je te réponds en tant que médecin sexologue en disant que la plupart pensent que si je m'abstiens, je vais avoir des problèmes. Surtout quand on est dans un contexte, une société, qui interdit même la masturbation. Je le vois. Quand on parle de la masturbation, les gens te disent « Bnadim kbout »« Bnadim radi bdaydir la masturbation radi mrad » Sa fille m'a dit que j'ai le plaisir de la parce que la plupart disent que le plaisir qui est de la je ne sais pas s'il y a un tilleul qui est de la. Bref, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu dis que la masturbation, elle n'est pas légale, les relations sexuelles en dehors du mariage, bien évidemment, même smouhij, donc je fais quoi? En tant que sexologue, je dis que chacun de nous a des désirs sexuels. Ces désirs peuvent être extériorisés soit par le fait d'en parler d'abord par une masturbation, parce que c'est quoi la masturbation? C'est quand je commence à donner de la concrétisation par rapport à un désir virtuel que j'ai. La plupart, quand ils se masturbent, ils pensent à quelque chose ou ils regardent quelque chose. Mais c'est un désir qui reste un plaisir plutôt virtuel. C'est pour cette raison que la masturbation ne devient maladive que quand je commence à préférer avoir ou à faire de la masturbation que d'être dans une relation interpersonnelle et d'être avec une personne. C'est à ce moment-là où je me dis que la masturbation constitue un vrai problème pour moi. En plus de ça, même quand on est dans une vie de couple, il y a soit la femme, d'abord vous connaissez que les femmes aussi se masturbent. Non? Je vous l'informe. Au moins, les femmes, ils ont mille et une manières pour se masturber. Tant pis pour l'homme parce qu'il a une seule méthode. Mais la femme, elle en a plusieurs. Même dans une vie de couple, la masturbation assure un rôle très important parce que du moment que nous avons la plupart des couples qui ne communiquent pas autour de leur vie intime et leur vie sexuelle, la masturbation permet à l'homme ou à la femme dans un couple, ou à l'homme ou à l'homme ou à la femme ou à la femme, de pouvoir présenter ou plutôt parler de leurs désirs qui n'arrivent pas à mettre en place dans une vie sexuelle avec leur couple. La plupart des femmes, quand ils voient leur mari en train de se masturber, il est en train de voir autre chose, il est en train d'imaginer autre chose.
En quelque sorte, c'est vrai parce qu'il imagine un désir qu'il a toujours dans sa tête et qu'il n'arrive pas à partager avec sa femme. Donc parfois, la masturbation peut avoir un rôle positif pour l'épanouissement dans une vie de couple. Mais si je me dis que je m'abstiens par rapport à l'acte sexuel, est-ce que je vais avoir des répercussions psychologiques? Je dirais non, parce que automatiquement je peux avoir un orgasme, je peux fantasmer même dans mes rêves, parce que c'est quelque chose qui est en lien avec la nature humaine essentiellement. L'éducation sexuelle, quand est-ce qu'on peut la commencer? Une très bonne question. Quand je parle de l'éducation à la santé sexuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la connaissance du corps sexuel. Quand je parle du corps sexuel, c'est-à-dire connaître les parties intimes de la personne. Bien sûr, quand je parle à un bébé de 2 ans, je lui parle avec une manière qui est complètement différente par rapport à un jeune de 14 ans et de 12 ans. Un bébé de 2 ans devrait connaître qu'il a ses parties qui sont des parties intimes. Mais je ne vais pas lui dire que ces parties intimes sont des parties où tu vas avoir une érection, tu vas avoir une éjaculation, tu vas avoir ceci et cela. Parce que je ne sais pas si vous connaissez que un enfant, même s'il n'est pas adolescent, même s'il n'est pas adulte, il se réveille le matin avec une érection. Parce que c'est un phénomène physique, naturel, chez un garçon. Donc je commence à parler de la sexualité à un âge très très jeune, mais d'abord avec un message qui est adapté à la jeunesse et à l'âge. Et puis en deuxième lieu, c'est de commencer d'abord à respecter, à connaître des parties intimes. Et vous savez que la plupart des pédophiles que nous avons parmi nous sont des personnes qui cherchent à avoir le plaisir chez un enfant qui est en souffrance. Parce que c'est ça le plaisir d'un pédophile, c'est de voir la souffrance d'un enfant qui a subi un acte sexuel de sa part. Quand je commence à expliquer à mon enfant à un âge très très jeune qu'une partie intime est une partie intime et que personne de chez personne ne devra la toucher, et que si la moindre des choses ou si une personne vient pour la toucher, il doit absolument venir m'en parler, je franchis un pas très important dans cette éducation à la santé sexuelle. Et puis, au fil des ans, je commence à discuter, soit avec ma fille, soit avec mon garçon, sur les différents changements du corps sexuel, la plupart des caractères sexuels, par exemple, secondaires qui apparaissent au moment de l'adolescence, etc. Mais en tant que phrase clé ou mot-clé, parler de la sexualité à un âge très très jeune, c'est conseillé, mais avec un message adapté à l'âge de l'enfant. C'est vraiment très rare de trouver une femme qui a une allergie au latex ou un homme qui a aussi une allergie au latex. Mais pour te rassurer, on peut avoir des préservatifs qui sont faits d'une matière qui est complètement différente par rapport au latex et qui est justement conçue par les personnes qui présentent cette allergie. Rien ne justifie une relation sexuelle non protégée. Je voulais vous poser une question à propos de la relation entre la masturbation et l'éjaculation précoce. Est-ce que j'ai connu dans un site que ceux qui pratiquent la masturbation plus souvent ont des problèmes d'éjaculation précoce, que ce soit des hommes ou des femmes? Merci. Donc ça va. Tout à l'heure, vous avez parlé des mines. Je voudrais bien que vous m'expliquiez pourquoi tant d'importance pour cet organe, alors que biologiquement, il ne sert à rien. Alors, je vais répondre à la relation entre la masturbation et l'éjaculation précoce. Quand je suis accro à la masturbation, je suis une personne qui fait de son désir sexuel un désir qui est très virtuel. Parce que se masturber ne veut pas dire que je suis en train d'effectuer une relation sexuelle du bon et du fin. Et j'ouvre aussi une parenthèse que je vois quand même que c'est important de pouvoir le mentionner. Une relation sexuelle finit par l'éjaculation. Mais si je n'ai pas d'éjaculation dans une relation sexuelle, je peux considérer que c'est une relation sexuelle. Parce que la plupart des goulques là, un. Alors que je peux un sans un. Parce que je peux avoir une relation sexuelle avec des préliminaires, voire même avec une pénétration, et ne pas avoir une éjaculation. C'est tout est en relation avec le consentement dans une vie de couple. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir une relation sexuelle pendant une longue durée
et ne pas avoir d'éjaculation qu'à la fin, sauf pour les gens qui n'arrivent pas vraiment à contrôler leur éjaculation. Si je reviens à la masturbation, c'est le fait de pratiquer un désir sexuel, mais un désir qui est virtuel. À force de déployer toujours notre cerveau concernant le désir virtuel, je commence à être un éternel insatisfait de ce désir. Et c'est ça les méfaits de la masturbation quand on est accro. Et quand j'ai un désir sexuel virtuel insatisfait, parce qu'à chaque fois je fais appel à mon imagination, je risque d'avoir une éjaculation précoce en tant que conséquence du fait d'être un accro à la masturbation. Réelle éjaculation précoce, et tu l'as très bien fait, enfin en le spécifiant, on ne parle pas d'éjaculation précoce après 6 minutes ou 7 minutes de relation sexuelle. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, après 15 minutes, j'ai éjaculé, j'ai une éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, justement, comme tu l'as défini, c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une éjaculation précoce. Donc, si je suis accro à la masturbation, je peux avoir une éjaculation précoce en tant que conséquence. Et quand est-ce qu'on dit qu'on est accro à la masturbation ? Pardon ? فكرتيني بوحدة عيطات لي البارح خطيبي تيدير العادة السرية بزاف شا ندير خطيبي مع مراته كان عنده 4 مرات علاقة جنسية في النهار وانتي سوقك المرأة باغا والراجل باغي وانتي سيد يفي سا ماستورباسيون طول طون il doit savoir que كيف ما قلت لك منين كندير لا ماستورباسيون à chaque fois je commence à développer plus de désir qui n'est pas réel. Donc si je me masturbe à la longueur de la journée, c'est à Joujain, bien évidemment que je vais devenir accro et ça va devenir même une addiction par la suite. La masturbation, elle est importante, mais elle n'est pas à utiliser d'une manière vraiment très abusive. Il n'y a pas de temps, 3 fois par jour, 4 fois par jour, ce n'est pas un antibiotique. C'est une approche que la personne adopte pour pouvoir calmer un petit peu le hojom, l'hormone en relation avec le désir sexuel, mais c'est une méthode à utiliser avec beaucoup de précautions. Deuxième question, l'hymen. Très bonne question justement. Quand je parle de l'hymen, c'est la petite membrane qui n'est pas blindée, c'est pas un mur. C'est une membrane où il y a des petits trous et on a de différents types d'hymen. Ce qui explique que même quand la fille ses menstruations qui est pucelle, elle a toujours, elle a son hymen et puis elle a ses menstruations. La plupart, tu goulles quoi, manjouch biha lahqach machi hazba. Ce qui est gravissime, ça fait rire, mais c'est grave, c'est que la plupart des filles, justement pour préserver l'honneur de son vagin, ils vont pour avoir des relations sexuelles par voie anale. C'est pas culturel, mais c'est plutôt en relation avec, je dirais même pas traditionnel, parce que فالقديم ما كناش كنسبيسيفيو بزاف حتى جينا من بعد عاد تنديرو ها هو فوق راسي لا تقولو فارماسي ها هو يا العزاره وتنضر به بالقلب ديال السكر alors que c'est quelque chose en relation avec la sainteté de la femme, c'est-à-dire selon certains une femme qui a toujours un hymen intact est une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle. C'est l'image sociale d'un hymen dans une société qui ne veut pas s'ouvrir vers d'autres pratiques sexuelles qui puissent exister également. Mis à part qui m'agoute comme la relation sexuelle vaginale, on a d'autres relations sexuelles. Donc c'est surtout par rapport à un esprit borné de certains qui se disent que la femme خصها تبقى انتاكت حتى تجوج بحال ملي كتجي تقول لها وشحال انت خصك تكوني في ميكتك اللي في ميكتها هي البوبي اللي كتباع في درب عمر تشينوا غونفلابل كتجيبها في ميكوم ملي كتسري عاوتاني كتفشى وتطلع معاك في الطوموبيل مراه في ميكتها اون بو با افوار كوم راجل في ميكتو اون بو با افوار دو مومون كو لوم افي لو دووا اوسي دافوار دي ريلاسيون سيكسيوال اون دوور دو مارياج اي سي لو دون سو دووا لا فام اوسي ا سو دووا. Ce n'est pas uniquement l'homme qui a le droit de faire ce qu'il veut. Il faut que je me pose aussi des questions. Pourquoi moi j'ai eu des relations sexuelles en dehors aussi du mariage? Donc c'est toute une image sociale qui est un petit peu fausse
que nous sommes en train de créer autour de nous pour justifier justement la présence ou pas de l'hymen. Je ne confirme pas que ça ne sert à rien. L'hymen est fait pour protéger un vagin qui n'a pas encore de relation sexuelle et qui n'est pas encore prêt pour avoir une relation sexuelle. Parce que la plupart des gens, ouais, j'étais pénétré à 13 ans, à 12 ans, ouais, avec ma mec, je prends la pilule, je sais pas quoi, 4 mois, 4 paires. Quand j'ai 12, 13 ans, je ne suis pas préparé anatomiquement pour une pénétration, comme je ne suis pas préparé psychologiquement pour une pénétration. Mais si tu es à l'adolescence ou la phase adulte ou la phase pas mal de choses, rien que pour titrer nos âges. Non, c'est parce qu'on atteint à 18 ans une certaine maturité physiologique et psychologique. Et c'est à partir de 18 ans que je peux avoir des relations sexuelles, que je peux avoir une sexualité qui est véritablement épanouie. Je ne peux pas dire que ça sert à rien parce que c'est un facteur de protection, c'est un facteur aussi de maturité par rapport au vagin. Donc c'est quelque chose de biologique, de naturel, qui sert véritablement à protéger notre organe, enfin leur organe. Le préservatif, la pilule, le stérilet, l'implant, la ligature des trempes, tout ce qui est méthode de contraception. D'abord, pourquoi je vous ai posé la question ? Parce qu'il y a certaines filles qui pensent que quand je prends la pilule, je me protège contre les infections sexuellement transmissibles. Et on voit ça même dans des films. Ouais, je prends la pilule, oh, je ne mets pas de préservatif, je suis avec un mec, il est fidèle. Voilà la réaction. Ça n'existe pas. Mais si ça n'existe pas, il ne faut pas qu'on soit vraiment borné. Ça existe, mais pour dire qu'on est fidèle dans une vie de couple, notamment sexuellement, parce qu'on peut ne pas être fidèle par le regard ou par la parole ou par pas mal de choses, il faut vraiment qu'on passe par un bon moment pour se dire que je me permets d'avoir une relation sexuelle non protégée avec toi. Parce que si je me dis que je suis avec un mec, ouais, ça fait 2 mois maintenant qu'on est en train de sortir ensemble, ouais, il voit personne sauf moi, je suis belle. Je peux pas savoir, ce mec aussi ou cette fille avait aussi des relations sexuelles avant moi. Et je peux avoir une infection que je ramène avec moi dans ce couple, que je peux mettre à disposition à la fille ou au garçon avec qui je sors. Donc la question de fidélité est une question qui est un petit peu, si j'ose dire, un peu métaphysique, parce que c'est un peu Alice au pays des merveilles. Avant de dire que je suis dans une relation de couple et que je me permets d'avoir une relation sexuelle non protégée avec ces personnes, il faut que je passe par un ensemble d'étapes et par des périodes de ma vie pour pouvoir le dire. La pilule, je ne peux pas l'avoir une fois que je décide d'avoir une méthode de contraception. Parce qu'il y a certaines pilules qui sont à base d'oestrogène, d'autres de progestatif, d'autres d'oestroprogestatif. Et je ne peux pas me déterrasser. Et puis je vais à la pharmacie, je me dis, atteignez la pilule. Bien sûr, quand je vais partir à la pharmacie, il ne va pas me faire un examen médical complet. Ce n'est pas son rôle. La pharmacie est là pour conseiller et pour vendre les médicaments. Quand je veux prendre une pilule, notamment pour la planification, il va falloir que je consulte un médecin gynécologue parce qu'il faut qu'il me prenne ma tension artérielle, il faut qu'il prenne mon poids, il faut qu'il assure un examen clinique qui est complet et puis voir si j'ai des antécédents, par exemple, de cancer ou de pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 méthodes de contraception. Il y a les moyens qui sont chimiques, à base de pilules, il y a des moyens qui sont mécaniques, genre stérilés, etc. Et puis il y a des moyens qui sont chirurgicaux, comme la ligature des trempes, qui est irréversible, ou d'autres choses. Mais avant toute prise de pilules ou de moyens de planification, un conseil chez un médecin gynécologue s'avère véritablement nécessaire, parce qu'il faut faire un examen gynécologique complet pour pouvoir y remédier. J'ai répondu à votre question ? Merci. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je veux juste comprendre pourquoi vous êtes en train de dire qu'une fille qui veille à garder sa virginité est considérée comme une fille bornée. Et pourquoi l'homme... J'ai jamais dit ça. J'ai mal compris alors. Voilà, peut-être que vous avez mal compris. J'ai jamais dit ça. La virginité, pour moi, c'est pas la virginité de l'hymen. C'est pas pour moi, sexuellement parlant. Quand j'ai une relation sexuelle, je ne suis plus vierge. Je reste pucelle parce que j'ai quand même mon hymen ou je ne sais pas quoi, mais je ne suis plus vierge.
garder l'hymen ou ne pas garder l'hymen, d'abord, c'est quelque chose qui ne c'est pas ma responsabilité parce que c'est pas le mien. Et parfois même des choses qui m'appartiennent, quand je défirme la responsabilité. Je ne peux pas dire à une personne, tu es borné d'esprit parce que tu gardes toujours ton hymen à 24 ans. C'est sans problème, c'est sans rôle. L'intérêt que je porte à cette personne est de pouvoir avoir une santé sexuelle et reproductive saine. Et cette santé sexuelle et reproductive saine passe par la connaissance et passe par la connaissance aussi de son corps. Parce qu'il y a la plupart, par exemple, des gens qui se font des relations sexuelles superficielles, par frottement. Ils se disent, parce que la fille a son hymen qui est toujours là, c'est pas grave. Je ne mets pas de préservatif parce qu'il ne va pas y avoir de pénétration. Quand je fais une relation sexuelle superficielle, je risque le sida, je risque le syphilis, je risque l'hépatite B, je risque l'herpès, je risque le condylome et je risque de tomber enceinte. Parce que comme j'ai répondu tout à l'heure au monsieur, l'hymen n'est pas une membrane blindée, c'est pas un mur. Elle est trouée. Quand je fais des relations sexuelles superficielles, je risque d'avoir le premier liquide qui sort de la verge d'un homme, c'est le liquide séminal. Et le liquide séminal qui n'est qu'une forme de spermatozoïde qui n'est pas très bien développée, mais qui contient aussi des spermatozoïdes, donc la fille ou la femme peut tomber enceinte comme elle peut avoir d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc quand je parle de ça, c'est surtout pour connaître ce qu'il en est. Après, c'est à la personne de voir. En fait, depuis que j'étais petite, enfin, même aujourd'hui même, des fois ma mère me disait « la matna qdish min drongja n'fi ba yukshi ba yukshi zbl » Autrement dit, tu vas perdre ton hymen. Ou là, l'équitation par exemple. En attendant, ça veut dire « l'équitation, si tu fais de l'équitation, tu vas perdre ta virginité ». Ou le vélo aussi, oui. Et j'avais une autre question. Oui, par rapport à la protection de notre appareil génital. Est-ce que le fait de laver, de se laver avec des produits d'aujourd'hui qui sont présentés comme voilà un savon spécial pour se laver, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à ce genre de produits? Et voilà, j'ai un peu peur en fait pour la protection en général, voilà, merci. Quand on parle de relations sexuelles et d'éducation sexuelle, ça induit directement une libération, une liberté sexuelle qui s'impose dans notre société, qui a un contexte religieux et social. Donc qu'est-ce qui justifie la relation sexuelle non, en dehors du mariage, autrement dit, ou dans un autre sens, qu'est-ce qui justifie cette éducation sexuelle, sans parler en fait du contexte, et sans bien s'approfondir dans le contexte socio-religieux dans lequel on vit. Parce qu'il y a plein de préceptes qu'on a négligés, et dont on n'a pas parlé ce soir peut-être, il n'y a pas de temps, c'est sûr, mais qu'est-ce qui justifie ça Merci Maryam de pouvoir le spécifier, je vais te répondre en tant que médecin. Dans les années 80, l'homosexualité était considérée en tant que trouble mental. Et à l'époque, on la définissait en tant que perversion sexuelle. Mais dans la DSM-4, agréée par l'Organisation mondiale de la santé, dans laquelle le Maroc est signataire, l'homosexualité n'est plus une maladie. C'est une orientation sexuelle parmi les deux autres orientations sexuelles. Hétérosexualité, nous avons comme orientation la bisexualité et l'homosexualité. L'homosexualité devient une maladie, ou plutôt un trouble, excusez-moi pour le terme, pas une maladie, devient un trouble psychologique quand la personne concernée, homme ou femme, commence à présenter des signes de détresse par rapport à cette orientation sexuelle qui font de lui une personne mal équilibré dans sa vie. Mais, et je dis bien, que ça n'est pas de relation avec la société ou avec la culture, parce que les gens vont dire « je suis homosexuel dans un contexte qui n'accepte pas l'homosexualité, donc je vis mal ». Ce n'est pas ça le trouble. Je dis bien pour des personnes qui, en dehors de la société, de la culture, des facteurs externes, commencent à présenter un trouble quant à l'exercice et à la pratique de leur orientation sexuelle. À ce moment-là, c'est considéré en tant que trouble
à traiter par un médecin psychiatre. Oui, des produits. Une très bonne question. Pour l'unique et simple raison que la plupart d'elles, le bnet. Ah, c'est un produit la roche posée. C'est un produit, j'ai boulé Khoyam el Mozambique. J'ai boulé Sahbi, je ne sais pas quoi. C'est une des reha. Je ne peux pas les reha bien comme il faut pour pouvoir avoir nickel. Il ne faut jamais utiliser un produit si on ne connaît pas le pH du produit au niveau de notre appareil génital. Parce que au niveau du vagin, il y a un pH qui règne. Si j'utilise un produit qui ne correspond pas au pH de mon appareil génital, ben je crée un désordre. Parce que nous avons ce qu'on appelle une flore. Elle a des bactéries et des petites microbes au niveau du vagin qui permettent d'avoir une protection de cet onduit génital. Une fois que j'utilise un produit qui va entrer en compétition avec le pH naturel, à ce moment-là, je risque d'avoir certaines perturbations. Ça, c'est de un. De deux, quand je suis en train de laver ma partie intime. Mes chers, quand je vais les points cardinaux. Un, on se le laisse, deux, le nord, on a le sud. Je ne mets jamais mon doigt dans mon appareil génital. Ou ma main. Il faut laver un appareil génital de l'extérieur et jamais de l'intérieur. Parce que par phénomène physique, normalement, nous avons une glaire cervicale et cette glaire cervicale permet l'élimination de tout ce qui est germes, bactéries, etc. et permet de laver aussi à l'intérieur du vagin. Il ne faut jamais introduire ni un doigt, ni une main, ni un coton-tige, ni zefa pour pouvoir laver. Ouais, il y a certains sports où je risque d'abîmer l'hymen, notamment quand je monte à cheval, quand je fais trop de vélo, c'est clair. Mais là, d'abord, c'est pas zbel, parce que c'est une partie de mon corps et c'est une partie à respecter, à mettre en valeur. Je fais le haïlala lina et d'amin katkon mara zba ou mara maché zba, donc c'est pas vraiment zbel. Naskat zid aliha katkad aliha bach nchoua na khdi ta zba fmikta. تصدق واعر بارابور الصداق الاخرين دونك سي با ان زبل نقزت من الفوق للتحت وليت كاع انا ترابيز تنلعب في السيرك ما تمشيليش لا فيرجينيتي مي كون جو مونت ا جفال جو ريسك دابيمي مون ايمين اي نوتامون كون جو مونت اوسي كون جو في ترو دو فيلو ماشي با دو فيلو عاوتاني ما تاخذوش ويل للمصلين كملوا الذين هم عن صلاتهم ساهم صدق الله العظيم لا exactement la virginité sans relation avec la relation sexuelle que j'ai. Il y avait une troisième question concernant le contexte. Quand je dis une éducation à la santé sexuelle, ça ne veut pas dire la liberté d'expression. Parce que l'éducation à la santé sexuelle, c'est l'ouverture, l'élmania, on a droit à l'échec, mais qui n'est pas le bled, ou autre chose. Je vais vous dire que je vais vous dire que la tarbiya, ou la tarbiya, là, je ne sais pas quoi, c'est quelque chose de naturel au fond de nous, la sexualité. Et quand je parle d'une éducation à la santé sexuelle, j'ai fait exprès de poser cette question au début de notre conférence, c'est de pouvoir dire que la santé sexuelle n'est pas toujours liée au sexe en tant qu'acte. L'éducation à la santé sexuelle est une éducation qui se base sur la connaissance d'abord de notre corps. Et si je me dis la connaissance d'une partie de notre corps, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça ne rentre pas dans une ouverture d'esprit. Je défie le monde. L'iqdir igouliya l'appareil génital homme b'derija. Alors qu'on peut le dire en français, le pénis, la verge. Mais qu'un gouloub déjà, ça a une connotation de meilleur. Ajia ou jaha. Pourquoi? Pour l'unique et simple raison que on a toujours ce tabou et cette chouma et que
خصنيش نهضر على هذيك الحاجة et une fois تنكون énervé je me libère bien évidemment et je commence à insulter avec une partie de mon corps علاش ما كنقولوش اجي اوجه الراس اوجه الرجلين اوجه القلب اوجه الكلاوي et je la remplace par autre chose parce que j'arrive à parler de ces organes et je n'arrive pas à parler des autres. C'est ça l'intérêt d'une éducation à la santé sexuelle, c'est de connaître son corps sexuel. Relation sexuelle en dehors ou pas du mariage, ce n'est pas mon rôle de pouvoir dire « faites » ou « vous ne faites pas ». Vous ne faites pas de relation sexuelle. Bien que moi, je ne suis pas un frère et je ne suis pas un leader religieux. Mais par contre, je suis un médecin qui a la responsabilité d'avoir une santé sexuelle équilibrée chez mon patient. Si un patient vient chez moi pour me dire, ou une patiente vient pour me dire, j'ai des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est de pouvoir éclaircir certaines choses et puis être à l'écoute pour pouvoir prévenir les maladies, prévenir les grossesses non désirées. Vous savez combien nous avons d'avortements clandestins par jour? Plus de 400 avortements clandestins par jour. Et ce ne sont pas des données Kanjib Munrasi. Ce sont des données selon des études qui ont été réalisées. Pourquoi, à votre avis, nous avons des avortements clandestins? C'est parce que je fais des relations sexuelles en dehors du mariage, parce que je sais que c'est haram, parce que je sais que je ne peux pas avoir un bébé du moment que je ne suis pas marié, parce que je sais que là, j'ai quelque chose, parce que ceci, parce que cela. Donc, il vaut mieux prévenir à l'avance et d'écouter une personne, justement, quand elle a l'âge, pour pouvoir éviter et prévenir tout cela. D'accord ? Bonjour, ma question est, selon vous, quelle est la place de l'éducation sexuelle dans le Maroc d'aujourd'hui? Quand et comment va-t-on arriver au stade de donner des cours d'éducation sexuelle dans les écoles marocaines à partir du primaire, du collège? Et merci. Bonsoir. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand un mec se tape pas mal de filles, il a une bonne réputation. Tandis que quand la fille se tape pas mal de mecs, c'est, entre parenthèses, une pute. Donc, comment pouvez-vous expliquer cette parité sexuelle? Tout à l'heure, vous avez parlé de moyens de contraception. Mais vous n'avez pas cité le coït interrompu. Est-ce que ce n'est pas... Je vais commencer par cette question. قديم هذا الموين كي بو بو فونكسيوني بحال حساب بحال بحال جو سوي او 14e جور دو سيكل جو سوي او 15e او 16e تنقصو جو سوي او 7e تندور في باريس ملي كندور في باريس كيمكن لي نتلف في المترو واش نقبطو في مونباناس ولا نقبطو في باستور هكا كيمكن نكون في الحساب سين هدا 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 اليوم واقيلا راه لو 13e جور وقف ما عندنا ما نديرو تيماجين اون بلان اكت سيكسويل افيك اون فام هدا 13e جور موا جيماجين لا رياكسيون بار لا سويت بحال لو كويت اون دي كو دون اون ريلاسيون سيكسويل نو افون لو ليكيد سيمينال كي اي ديجاجي افون لو سبيرم كونت لو ليكيد سيمينال اي سيكريتي افون لو سبيرم اي كونتيان دي سبيرماتوزويد اي Si j'ai une pénétration avec, bien évidemment, je l'aurai un liquide séminal. Et si ça tombe un jour d'ovulation, je peux tomber enceinte. Ce sont des méthodes qui sont un peu anciennes, qui ont donné peut-être leur efficacité, mais ce n'est pas une efficacité, je dirais pas absolue, parce que les autres n'ont pas non plus une efficacité à 100%, mais une efficacité qui ne dépasse pas les 5-6%. Donc il vaut mieux utiliser des moyens sûrs, pas absolu, mais des moyens sûrs pour pouvoir planifier ses grossesses et organiser sa vie sexuelle. L'éducation sexuelle au Maroc. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle au Maroc. Ça existe, mais ça existe éparpillé. Mais bien nashat l'ilmi, mais bien tarbiyya l'islamiyya, mais bien les cours de biologie, mais bien d'ftar d'yel la biologie qui est
l'appareil génital ou تنمشيو تنقلبوا غير على ديك الورقه ديال لاباري جينيتال تنشري المقرر ما كنقرا حتى كور تنشوف غير ديك الورقه ومنين تنكون في الكور قدام البروف تنديرها ولا تعيط لصاحبتي اجي تشوفي مي نو نافون با اون فري ماتيير ديدوكاسيون على لا سانتي سيكسوال. Vous avez demandé mon avis. Moi, je pense que l'école devrait faire une initiation par rapport à l'éducation à la santé sexuelle. Mais avant l'école, il y a le rôle de la famille. Parce qu'avant de sortir de l'Andrasa, on dit « baba » et « mmi ». On dit « khoya » et « khouti » dans les meilleures conditions. Mais on dit « baba » et « mmi » avec qui je dois ouvrir le dialogue, pour parler justement de cette éducation. Mis à part tout ça aussi, je crois le rôle d'elle, la société civile et les associations. Parce que, pourquoi j'ai une toute petite réserve par rapport à une éducation à la santé sexuelle au sein de l'école? Parce que ça va être considéré comme une matière, ça va être considéré comme une matière, l'effet à une note où je peux être évalué. Donc je risque n'hafad la matière pour avoir une bonne note. Alors que l'éducation à la santé sexuelle, c'est l'éducation au civisme. Ma barache n'hafad, ma renfem, ma rentoua. Et si on arrive à avoir une matière, mais sans pour autant avoir une évaluation, un petit han ou zjri ou indek, ou matnakolch dire dik foukrasek, ça serait le top de pouvoir en discuter au niveau de l'école. C'est en cours. On ne peut pas dire que McCain ou Wallow, etc. C'est en cours d'être intégré dans des curricula du ministère de l'Éducation nationale. Mais elle fait de l'ordre pour pouvoir le faire. Yosra. Si la femme arrive à pouvoir dire que j'ai le droit, et c'est le cas actuel pour pas mal de thématiques, si la femme arrive à pouvoir dire que j'ai le droit d'avoir certaines choses comme toi, on n'est plus dans la passivité et le fait de dire que parce que c'était aussi un tselgout. Si on raisonne par l'esprit d'un tselgout, c'est le rôle aussi de la personne et de la femme qui est concernée de pouvoir imposer le respect de son corps. Tout à l'heure, c'était pas bête ta réaction par rapport au préservatif. N'ingoulti les préservatifs, de toute façon, c'est pas moi qui l'utilise. S'il n'arrive pas à l'utiliser lui-même, c'est pas non. Non, s'il veut pas utiliser le préservatif, alors que ça me concerne aussi, ça concerne ma santé. S'il veut pas utiliser le préservatif. Ah, mon jeu, là. Comme c'est l'intérêt aussi d'avoir des préservatifs féminins. Il y a maintenant des préservatifs féminins. Parce que même quand l'homme s'abstient à l'usage du préservatif masculin, on peut utiliser le préservatif féminin pour la femme. Mais c'est une question aussi d'imposer les droits dans une société en respectant d'abord notre corps et puis en imposant des droits que nous avons et des droits qui sont innés en nous. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a d'autres questions, mais on va vous libérer. On sait qu'il y a une émission. Oui, il y a 0530 300 300 s'il y a besoin d'autres questions. Vous êtes de nouveaux auditeurs pour l'émission. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous.